s'arrêter. Et il y a la possibilité, tout le temps, à toutes circonstances, de toujours y croire jusqu'à l'arrivée. Parce que c'est la magie du sport. C'est la magie du foot. Donc là, vous êtes en train d'essayer de me faire parler. Richard Désiré face au Mucis. Richard, vous m'avez confié que depuis le 23 février, la date de votre départ du Mans, vous n'avez parlé à personne. Pourquoi ? J'ai parlé à du monde. Je n'ai pas parlé à la presse. Je n'ai parlé à aucun média. Parce que je suis comme ça. Parce que je suis blessé. Après, les règles du jeu, je les connais. Hein. Mais je suis blessé par rapport à la loyauté permanente dont j'ai fait preuve. À l'éducation et l'état d'esprit qui est le mien. Et... voilà, j'aurais aimé que les choses se fassent forcément différemment. Et après, ça sert à rien de ressasser. J'ai trop de respect pour le Mans FC, trop de respect pour l'institution le Mans FC, pour exprimer quelconque grief. Et pourtant, j'aurais beaucoup à dire. Vous y attendiez à ce départ ou pas ? Je l'ai dit, les règles du jeu, on les connaît. Quand un entraîneur est en... difficulté en termes de résultats, et c'était le cas, ça peut arriver. Non, je pensais pas que le coup tomberait. Comment vous l'avez appris, ce départ ? Donc là, vous êtes en train d'essayer de me faire parler. Là. Voilà. Par téléphone. J'ai eu confirmation qu'il n'y avait pas de souci, qu'on continuerait, qu'il fallait battre Guingamp après le match d'Ajaccio. Et puis la donne a changé dans le week-end. Avant d'arriver en Ligue 2, il y a eu de nombreuses étapes, notamment un changement de président avec l'arrivée de Thierry Gomez. Comment s'est passée votre première rencontre tous les deux ? On s'est rencontrés. Il a eu envie de discuter, d'avancer. Dans des cas comme ceci, souvent il y a le changement qui va avec l'arrivée d'un nouveau président. Il n'était pas dans cet état d'esprit-là et ça lui correspond. C'est finalement le début d'une success story quand même, on peut le dire. Première année de collaboration et première montée. Vos méthodes d'entraînement sont bien installées et à ce sujet, un de vos anciens protégés, Papa Iboukébé, a une question pour vous. D'où est-ce qu'il sort ce maillot du Colon ? Parce que il est trouvé de partout et ça se voit qu'il a du vécu. Et j'aimerais bien savoir... son histoire en fait à ce maillot. Et c'est quoi ça, ce principe de couillon, ça se passe comment ? C'est chacun est sur une ligne, est sur la ligne des 16 mètres, en dehors de l'arc de cercle, série avec les gardiens, un certain nombre de buts encaissés pour le gardien ou pas, et le dernier, le seul joueur qui n'a pas marqué, est le couillon de la semaine, à égalité de tir. Ce maillot du couillon, je l'ai instauré en 2002, alors c'était pas tout à fait ce maillot-là, parce que j'en faisais un les premières années, j'en faisais un tous les ans. Mais c'est très rapidement devenu ce maillot harlequin. C'est un équipementier local avec lequel on avait travaillé. On n'avait pas les moyens d'aller sur les équipementiers ultra connus. Je lui ai dit, moi j'ai une Couillon's Cup. Donc je lui ai expliqué le principe. Il dit, ah, j'ai des beaux maillots, etc. Je lui ai dit, non, je ne veux pas un beau maillot. Je veux un maillot que vous faites, que vous trouvez. Je voulais qu'il me trouve un maillot. Et puis il me l'a fait sur mesure. En fait, il a pris des pièces de toutes les couleurs. Il m'a fait un short et un maillot. Et c'est devenu le maillot récurrent du couillon, jaune, multicolore, multifacette, qui ressemble à rien, qui est épouvantable. Et que chaque couillon de la semaine, la veille du match de championnat ou la veille du déplacement, enfin au moment du dernier entraînement de la semaine, petite compétition ludique entre les joueurs, entre le staff, je la faisais très souvent, un peu moins ces dernières saisons.
Et ça permettait de finir de manière sympa, avec le sourire et dans la bonne humeur, la semaine. Et le couillon devait simplement, enfin, c'est beaucoup, hein, avait l'obligation de porter la tenue pour chacune des séances d'entraînement. Vous pouvez nous faire une petite déclaration, parce que c'est lequel qui l'a plus porté ce maillot au Mans? Oula, alors j'ai eu des statistiques, on a eu des statistiques, on a eu un certain nombre de spécialistes. Hein. Très peu, plutôt, très très peu ne l'ont jamais eu. Jamais. Les joueurs qui disaient moi je ne l'aurai jamais, jamais je porterai ce maillot, en général ils l'avaient obligatoirement très rapidement derrière. Je crois que le seul qui a tenu et qui ne l'a jamais eu, c'est Fernando Miranda, qui avait toujours le talent pour réussir à mettre le ballon au fond des filets sans jamais avoir à porter ce maillot. On nous a dit que Ryan Bidunga était pas très bon aussi. Ouais, il l'a eu souvent. Et tous l'ont eu, hein. Vincent l'a porté. Alors Vincent, il y a toujours une raison, ouais, mais le gardien n'a pas plongé comme il aurait dû, parce qu'il a un peu de mauvaise foi. Bonjour coach. Donc moi j'avais une question qui me turlupinait depuis quelques années, donc c'est l'occasion. Je sais que vous adoriez mettre les gants pour aller dans les cages. Vous preniez très peu de buts, même si on vous chambrait. Donc voilà ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, vous auriez pu faire une carrière? Le confort des 2 dernières saisons au Mans m'a permis d'avoir 3 gardiens. Donc la pieuvre n'a pas eu à rentrer dans les séances. Mais au cours des 15-16 saisons précédentes, il m'est très souvent arrivé, quand un de mes gardiens bossés était en cours à l'université, au travail ou blessé, et qu'on soit en difficulté pour faire une séance, il m'est arrivé de temps en temps de mettre les gants et d'aller dans le but. Et puis là aussi, ça permettait à mes yeux de mettre une dynamique sympa, de mettre les mains dans le cambouis aussi. On le rappelle, vous avez embrassé une carrière de joueur professionnel, pas dans les buts, mais sur le terrain, avant de devenir coach à 29 ans, une vocation qui est donc arrivée très tôt. Très très tôt, parce que j'étais très jeune éducateur. Quand j'étais stagiaire à Rouen, j'étais déjà éducateur des poussins pupilles. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai tout de suite été intéressé par ce côté éducateur. D'ailleurs, les joueurs au centre de formation à Rouen me chambraient souvent, parce qu'ils m'appelaient souvent le coach adjoint. Je cherchais toujours à comprendre. Nasser Larguet, qui est le directeur de la formation à Marseille aussi, disait tout le temps voilà, que je le gonflais à vouloir comprendre pourquoi on faisait tel type de séance. Et puis j'ai eu aussi la chance à Rouen d'avoir Daniel Zorzetto, qui est traîneur extraordinaire, mon mentor, et des gens qui ont compté, qui m'ont donné vraiment, voilà, qui m'ont porté et qui m'ont donné l'envie vraiment de faire ce métier plus tard. Alors, vous préférez être joueur ou coach? Je n'ai pas fait la carrière que j'aurais dû faire parce que j'ai manqué de force mentale. C'est étonnant que vous parliez de force mentale à cette époque-là, parce que c'est pas l'image que vous renvoyez à l'heure Ouais, actuelle. mais parce que je l'ai corrigé, parce que j'ai adopté et j'ai vite compris les manques qui avaient pu être les miens. J'étais un bon joueur de foot, mais j'étais trop gentil, trop propre, trop. Il faut moins se poser de questions, il faut être. J'étais technique, j'étais un bon joueur, mais il en manquait pour pouvoir. Franchir un cap beaucoup plus important. Et ouais, j'ai eu ça en moi et j'ai ça en moi en tant que coach. Donc forcément, c'est plus facile aujourd'hui de pouvoir véhiculer tout ça. Alors, l'entraînement la semaine, le match du week-end, l'analyse de l'adversaire, la causerie d'avant-match, est-ce qu'il y a un aspect de votre métier que vous aimez le plus? Non, c'est vraiment une globalité. C'est vrai que je suis boulimique de travail. Je compte pas mes heures, je les fais naturellement. Je vais voir les matchs de jeunes, les matchs de la réserve, les matchs de nos adversaires, la vidéo. Mais je suis normal. Voilà, je suis comme, c'est pas exceptionnel, je suis comme n'importe quel entraîneur. Les choses sur lesquelles il a fallu évoluer au fil du temps, c'est de pouvoir s'appuyer aussi sur la compétence des membres du staff. Voilà, ça aussi, c'est important de pouvoir déléguer pour continuer à avancer. Vous avez effectué des stages au Napoli avec Carlo Ancelotti.
avec Tuchel, Thomas Tuchel, Mmh. l'entraîneur du PSG. Mmh. Alors, la classe à l'italienne ou la Dutch Qualidad? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est leur capacité à dialoguer, leur esprit d'ouverture, leur humilité, leur simplicité. Je devais voir Carlo 20 minutes quand je suis allé à Naples. Je l'ai vu 20 minutes, mais le matin et l'après-midi, chaque jour. Donc voilà, ça a été hyper enrichissant. Zidane est venu passer une journée en étant là aussi très très ouvert. C'était le jour en plus où on présentait un peu nos projets sportifs, donc j'ai pu évoquer celui du Mans FC, c'était vraiment très très intéressant. Quant à Tuchel, les 2 jours à Caen, lors de notre stage là-bas, bon, il y a beaucoup de choses qu'il nous a demandé de garder et c'est resté en interne, mais il a été encore une fois très ouvert, il nous a vraiment émis des cas très précis de ce qu'il pouvait vivre dans la gestion de ses joueurs, de ses stars, où c'est pas simple. Et où il exprime voilà, sa manière de, il a exprimé sa manière d'opérer, sa manière de faire. Et là aussi, ça a été hyper enrichissant. Et c'est plutôt sympa de voir des entraîneurs qui dans des clubs avec des carrières aussi prestigieuses avoir la capacité à donner du temps et à évoquer notre métier d'entraîneur et les difficultés qui peuvent se présenter à nous. C'était top. Est-ce que ces stages vous ont, pourquoi pas, influencé dans votre manière de coacher ou de voir les choses? Ouais. Alors, j'en ai pas tiré la pleine quintessence ou la pleine mesure sur la dernière saison écoulée, parce que voilà, je me suis adapté à un certain nombre de choses qu'il était nécessaire de faire ou d'avoir. Après, il aurait fallu que je prenne un peu plus de temps pour mieux m'entourer encore, pour être certain que les personnes qui m'entourent correspondent pleinement à la manière dont il faut faire les choses. Le Mans, qu'importe la division, a toujours développé un jeu séduisant sous vos ordres. Y a-t-il un coach, une équipe qui vous a influencé lorsque vous avez débuté dans ce milieu? On prend toujours référence au jeu à la nantaise parce qu'il y a beaucoup plus de verticalité. Moi, j'aime pas quand il y a trop de possession passive. Voilà, ça me gonflait un moment de voir le Barça avec tout le temps le ballon, mais une équipe qui va de l'avant, qui met un peu plus de verticalité avec des joueurs techniques, avec moi, l'idée, c'est toujours de se dire que le joueur, 2 ou 3 passes avant, doit savoir que le ballon va lui arriver ou quand il a le ballon, 2 ou 3 passes après, où le ballon doit terminer. Donc après, c'est beaucoup d'automatisme, une pensée commune, donc beaucoup de répétition dans ce qu'il y a à faire, une vraie intelligence. Et il faut réussir à le faire dans une saine concurrence et dans une capacité à continuer de faire les choses, non pas pour soi, mais pour l'équipe. C'est là où c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand il y a plein de grains de sable qui peuvent venir se greffer là où on n'en a pas besoin. C'est embêtant. Cette recherche perpétuelle du beau jeu sous vos ordres ne vous a-t-elle pas malheureusement été un petit peu préjudiciable en Ligue 2? Non, ce qui a été préjudiciable, c'est de ne pas pouvoir compter sur ses forces vives plus souvent que ça a été réellement le cas. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les joueurs qui font gagner les matchs aussi à un certain moment. Il aurait fallu être un peu plus efficace, parce qu'on s'est créé malgré tout beaucoup d'occasions de but, donc c'est ce que je maintiens aussi. Mais il aurait fallu que nos joueurs majeurs soient beaucoup plus souvent sur le terrain qu'ils ne l'ont été. Et ça, c'est une vraie difficulté cette saison. Cette montée en Ligue 2, elle a été vécue de façon magnifique pour les supporters manceaux, on l'a dit, mais elle a aussi laissé des traces chez 2 anciens joueurs qui n'ont pas continué au club. Je vous propose de les écouter. Même des gens, même qui peut-être m'insultaient hier, ils m'ont félicité. Toi, tu es mon coach. Ça te coûtait quoi de le faire? Rien. Il m'a jamais félicité. Et je dis, bah, ok, y a pas de problème. J'ai cette blessure en moi que du manque de reconnaissance du club. Me laisser, je peux comprendre. Ne pas me donner d'explications, je ne peux pas comprendre. Est-ce que vous avez quelque chose à leur répondre ou pas du tout? Ah, ça serait rentrer dans un débat d'idées, de pensées. Je ne l'ai pas fait à titre personnel, je ne le fais pas moi vis-à-vis du club. Entraîner, c'est choisir. Présider, c'est choisir aussi. M'a refusé 3 fois de prolonger en 2018. À la fin de la saison 2018-2019,
en milieu de première partie de saison, donc en septembre-octobre et en fin d'année. Donc c'est forcément compliqué de se dire. Et je l'adore. C'est dommage, c'est que même lui est des griefs. Je pense que le club a fait beaucoup pour lui, y compris encore cette saison. Y compris encore cette saison, puisqu'il est ambassadeur. Je pense que beaucoup de choses ont été faites pour justement le gratifier et le remercier. Je lui ai apporté mon soutien toute la saison. Je l'entends, il est en colère. Mais est-ce que se retourner doit remettre en cause la totalité de ce que tout le monde pouvait penser, de ce que tout le monde pouvait faire, de ce que tout le monde pouvait dire? Des sifflets qui étaient récurrents au MM Arena, des insultes que je recevais derrière moi sur le banc quand je le mettais ou quand je ne sortais pas suffisamment rapidement du terrain. On peut toujours tout dire. Moi, je lui ai apporté mon soutien total, y compris sur ce dernier match. Après, il y a des choix qui s'opèrent. Lui a décidé de se retrouver en fin de contrat pour pouvoir partir librement après une énorme saison en national et ne rien avoir à faire avec le Mans FC. C'est son choix. Mais après, voilà, quand le président reçoit 3 refus de prolongation, Prez n'a pas forcément, à la fin, envie de prolonger. Ali, je souhaitais qu'il reste dans l'effectif en Ligue 2. Mais j'étais le seul. Je mets un pavé dans la mare. Et quand on monte d'année en année, il faut faire des choix et du coup annoncer à certains qu'ils ne font plus partie de l'aventure, du projet. Est-ce que pour réussir dans le foot, il faut quelque part mettre un peu de côté ses sentiments aussi? Évidemment. Mais c'est terrible. Et on en revient encore une fois à ce que l'entraîneur pense et doit faire et à ce que l'homme vit. C'est très dur. Mais c'est valable les week-ends aussi. C'est pour ça que c'est important de bien faire vivre son groupe. Mais ce qu'ils ont fait pour ceux qui nous ont quittés au fur et à mesure de leur parcours, tout comme pour moi qui viens de quitter le parcours du Mans FC, ce qui a été fait restera à jamais gravé. C'est un des aspects les plus durs du métier, ça, d'entraîneur? Voilà, on ne fera jamais l'unanimité, je le dis. Hein, y a 26 joueurs dans un effectif, il y en a 11 sur le terrain. Sur les 11 sur le terrain, il y en a 2-3 qui font la gueule, qui ne jouent pas leur poste auquel ils voudraient jouer, ou alors l'organisation n'est pas bonne, ou leur pote ne joue pas. Et puis sur le banc, il n'y en a qu'un ou deux qui sont objectifs. Ouais, c'est normal, je sois sur le banc, mais les autres se font la gueule. Alors imaginez ceux qui... Mais c'est la vie. Or, on va de plus en plus vers ça. Donc c'est un côté qui n'est pas usant. Ça fait partie de la vie des entraîneurs. Mais sinon, il faut faire autre chose. Après, l'idée, c'est d'être, encore une fois, le plus juste possible. Voilà. Et puis après, il y a la durée des contrats, le niveau du salaire, ce que va penser... est-ce qu'il y a un accord intégral au niveau du club? Parce que il y a un président, il y a un responsable du recrutement, il y a un entraîneur pour parler que du Mans. Et puis après, il y a des enjeux économiques. Et puis il y a les agents. Et puis il y a ce que le joueur va penser sur l'instant présent. En tout cas, il n'y a pas que des joueurs qui sont partis. Il y a Tanguy Charmel, le préparateur physique, qui a quitté le club quand on est passé en Ligue 2. Mais il a une petite question à vous poser. Bonjour Richard, j'espère que tu vas bien. Donc on m'a demandé une petite anecdote sur toi. Je sais pas pourquoi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça, un téléphone. Et la deuxième chose, du riz. Voilà, un riz, du riz. Donc si tu as envie de donner un peu plus d'informations dessus, voilà, je te laisse faire. Allez, à bientôt. Ça sent une histoire de chiottes, ça, quand même. Non, c'est un des moments magiques qu'on a pu vivre. D'ailleurs, je suis très content de voir Tanguy, parce que quand on parle de route, voir Tanguy partir après les deux montées de ses fins nationales, ça a été très très difficile. Je suis content de le voir de temps en temps et de l'avoir. Je suis content d'entendre sa question et c'est quelqu'un de bien. Voilà, ça s'est fini en queue de poisson bien malgré moi, parce que j'aspirais vraiment à ce qu'il reste au club, mais c'est quelqu'un de bien. C'est un des moments savoureux de mon parcours au Mans, de notre vie en commun avec Tanguy, avec Thomas Fédrigo, les deux autres membres du staff à ce moment-là qui sont partis
à la Réunion parce que Johan Furprié n'avait pas pu lui le faire. On était parti avec l'ensemble du groupe en cascade, profiter d'une des cascades de la Réunion, et je me suis baigné avec mon téléphone portable dans la poche. Et en fait, la fin du séjour, les 3-4 derniers jours, mon téléphone, on a mis l'intégralité de mon téléphone dans un pot de riz à l'hôtel. Et puis 4 jours après, le téléphone s'est rallumé et refonctionne sans aucun problème. Donc, sachant que quand on est coach, le téléphone sonne toutes les 2 secondes, c'est vrai que c'était problématique. Ça a mis, mais ça m'avait donné un peu de tranquillité sur ces 4 derniers jours de ce séjour mémorable. Au final, Richard Désiré, votre nom restera gravé dans l'histoire du club. 4 années et demie de bons et loyaux services, 170 matchs disputés à la tête de cette équipe, 48% de victoires, ce qui n'est pas rien, 3 montées consécutives, pardon. Quelle place a Le Mans FC dans votre cœur aujourd'hui? Une grande, forcément. Je suis à 18 ans de carrière, je n'ai fait que 4 clubs. Donc vous imaginez bien la fidélité qui peut être la mienne. Je suis plutôt un bâtisseur. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Je l'ai dit quand j'ai signé ici, je n'ai pas signé en CFA2, j'ai signé au Mans FC. Je ne pensais pas que le chantier serait aussi vaste, parce qu'au final, il y avait plus de choses à faire que dans mes petits clubs précédents à Raon et à Avranches, qui finalement étaient plutôt bien structurés. Mais après ce dépôt de bilan et cette difficulté générale, intégrale, ce MM Arena, ça a été ultra compliqué. Deux belles rencontres avec Jean-Pierre Pasquier, qui a débroussaillé le terrain et qui est vraiment une bonne personne. Thierry Gomez, qui est un très bon président, avec lequel j'ai passé 3 années et demie extraordinaires. J'aurais aimé en passer un peu plus. Mais c'est comme ça. Et puis l'ensemble des personnes alors, qui sont liées au club, supporters, parce que effectivement il y avait des supporters, le supporter club, le virage sud, puis les loyal fans, de vraies personnes qui étaient autour de la main courante à la Pince Nardière, et puis de voir un petit peu les rangs grossir au fur et à mesure, et aussi chez les partenaires, parce qu'il y en a qui étaient là dès la première heure. J'en pense à beaucoup, et qui m'ont beaucoup aidé aussi à titre individuel, je reviens à ça. Et puis de voir le MM Arena au fur et à mesure avec l'arrivée de Thierry Gomez, avoir ce stade rempli plusieurs fois ou avec de belles affluences, avec une ambiance extraordinaire, les partenaires de retour, les loges quasiment toutes réservées. Évidemment, voilà, c'est une étape importante pour moi. Quelle leçon retenez-vous pour finir de cette expérience-là? Rien, qu'en restant authentique, en restant dans la logique de fonctionnement qui a pu être la mienne depuis toujours, je suis parvenu à réussir à fédérer les énergies autour du projet commun de ce Mans FC. Un petit peu moins cette dernière saison, parce que ce que je vais regretter, c'est que là où personne n'avait très envie de venir en 2015, quand je suis arrivé, où personne n'avait très envie d'être, c'est devenu beaucoup plus attractif, beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de monde. Mais tout ce que j'exècre du monde professionnel, le côté bling-bling ou la capacité à chercher à influer, à influencer des idées, des pensées ou à mettre un état d'esprit qui ne correspond pas à celui que j'avais essayé de mettre en place, qui est essentiel pour avoir envie de se retrousser les manches, de mettre le bleu de chauffe et de donner le meilleur de soi-même. Quand il y a des grains de sable au fur et à mesure qui arrivent, c'est un petit peu embêtant. Alors, j'ai toujours la même question à la fin d'une aventure, c'est suis-je réellement fait pour ça? Faut-il, oui ou non, se dire que ça vaut le coup, le jeu en vaut la chandelle? Bon, voilà, il s'est passé un petit peu de temps depuis, j'ai digéré, ça reste, la passion reste intacte. Et l'attendre d'un vrai projet aussi, mais je ne prendrai pas pour prendre, je ne ferai pas n'importe quoi. Je serai peut-être amené à arriver plus en situation d'urgence si c'est en cours de saison. Voilà, on va voir un petit peu comment les choses se déroulent dans les semaines et les mois futurs, mais
le chantier était vaste ici et je suis plutôt fier du travail accompli.